Владимир Владимирович Путин. Vladimir Poutine n'a pas perdu de temps. Faisant fi des sanctions occidentales, le chef du Kremlin a signé un accord historique rattachant la Crimée à la Fédération de Russie. Les dirigeants pro-russes de la péninsule ont paraphé le document qui prend effet immédiatement, selon le Kremlin. Auparavant, le président russe s'est exprimé devant les deux chambres du Parlement, un discours marqué par des élans de patriotisme et un ton très anti-occidental. Ne croyez pas ceux qui cherchent à vous effrayer avec la Russie et qui hurlent que d'autres régions vont suivre l'exemple de la Crimée, a dit Vladimir Poutine. Nous ne souhaitons pas une partition de l'Ukraine, nous n'en avons pas besoin, nous ne voulons pas cela, nous ne voulons pas la division de l'Ukraine, a-t-il dit. Le chef du Kremlin a également affirmé que les Occidentaux avaient franchi la ligne rouge et s'étaient comportés de manière irresponsable. Les parlementaires russes devront ratifier l'accord signé, une loi incluant dans la Fédération de Russie deux nouveaux sujets, la Crimée et la ville de Sébastopol, qui jouit d'un statut particulier. La date de cette ratification, une simple formalité, n'a pas été précisée.